rassemblant ici ce soir, nous qui venons de toutes les paroisses du diocèse, des communautés religieuses, des établissements qui prennent soin de nos malades et de nos personnes âgées, témoignons de la vie de notre Église et de notre foi. Merci à la chorale diocésaine et à Louise Lavigne au piano pour leur présence et à Caroline Cook qui assume la direction musicale de notre rassemblement diocésain ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Il est bon de se retrouver dans la grande famille du diocèse, paroissiens et paroissiennes de tous les coins du diocèse, autour des ministres ordonnés de notre diocèse, prêtres, diacre, avec les membres de l'équipe diocésaine qui est à votre service. Vraiment, on est bien dans la cathédrale ici pour cette célébration. J'imagine qu'il y a des gens ici qui sont de la petite nation. Est-ce qu'ils peuvent lever leurs mains, les gens de la petite nation? Voilà, il y en a quelques-uns là, un peu partout. Puis des paroisses au nord de Gatineau, là, en allant jusqu'à Gracefield et Maniwaki, j'ai entendu dire qu'il y a eu un autobus qui est venu. Fantastique.
Et puis, the English song from the English parishes. Who's here from the English parishes? Oh, yes, that's wonderful. Et puis, de la ville de Gatineau, de toutes les paroisses de la ville de Gatineau, il y en a quelques-uns, ben oui, hein? C'est plus proche, Saint-Joseph. Alors, bienvenue, bienvenue, welcome to each and every one of you. Et puis, j'aimerais souligner, comme on le fait souvent, on a oublié de le faire l'an dernier, mais je me reprends cette année, alors les jubilaires parmi nos prêtres. Donc, je vais commencer avec les jubilaires de l'an dernier, de 2023. On va au moins les reconnaître. L'an dernier, de 5 ans, ah, puis les diacres aussi, Jacques Bertrand célébrait 5 ans de diaconat permanent. Jacques, où es-tu? Bon, voilà, oui. Et René Laprise, qui est aussi notre économe, a fêté 10 ans l'année passée. René est là-bas. Et l'an dernier, le saint curé de la cathédrale, Papy Manengo, a célébré 15 ans de prêtrise. Papy. Et notre doublement saint, vicaire général, Rodin Kazuba, fêtait 30 ans de prêtrise l'an dernier. Il y a André Picard, Daniel Granger, Gérald Croteau, qui ne sont pas avec nous malheureusement ce soir, mais qui vous saluent. 45 ans, l'an dernier, il y avait Charles Fournier de Saint-Paul. Charles, 45 ans. Et de l'autre côté, de Gatineau à Buckingham, il y avait Normand Daigle, 45 ans. Normand. Et son confrère Mariste célébrait, là, il faut le dire à pratiquement voix basse, 55 ans, Gérald Momigny. Gérald. And 60 years of priesthood last year, somebody who's hardly known in the diocese, last year, Bill Merrivy celebrated 60 years of priesthood. Cette année, les jubilaires de cette année, je commence à 15 ans et c'est Charles Mignot. Mais Charles ne pouvait pas être avec nous, il fait du ministère dans les hôpitaux, il s'est fait appeler d'urgence à l'hôpital en fin d'après-midi. Alors il ne peut pas être avec nous, mais on pense à lui. 20 ans, un père du Sacré-Cœur, le père Didier, qui est curé à Jean 23. And another father of the Sacred Heart, Greg Murray, celebrating 20 years this year from Our Lady, from Saint Aloysius and Our Lady of Victory and Saint Columbans and Mayo. So he's busy. Georges, oui, thank you. Georges, il est nacho. Georges, je ne sais pas si Georges est ici, je ne l'ai pas vu. Il dessert dans le nord de les paroisses anglaises du Nord. Father George, who's up in Maniwaki for the English parish, and Holy Rosary, and also, I think, in Casabaswa. Father George celebrating this year 25 years of priesthood. I don't think Father George is here, though. I didn't see him. But we pray for him. Oh! Jean-Roland Joseph, 30 ans de prêtrise. Jean-Roland, je l'ai vu. Et je ne sais pas comment le dire en espagnol, mais Pedro Paulino célèbre 35 ans de prêtrise. Pedro. Et Pedro. Ah là là. Marcel Lahaye célèbre 45 ans cette année. Vous prierez pour Marcel. Hein? Il est atteint d'un cancer. On prie pour lui, OK, pour Marcel. Donc, il est chez lui, là. Il y a le confrère de John, Father John's
Brother Priest, as an oblate who's living at St. Mark's, will be celebrating this year 50 years of priesthood. And so I think that's very important to underline. Et notre deuxième concélébrant principal, Léo Giroux, 50 ans de prêtrise. Lève-toi, Léo. Léo me racontait qu'il a été ordonné à Facette il y a 50 ans, à la fin du mois de juillet, une journée très, très chaude, très, très chaude. Dans ce temps-là, les prêtres, il fallait qu'ils portent la soutane en dessous de l'aube, et puis, oh oui, c'était chaud. On pense à Paul Bergeron, que beaucoup connaissent, cette année célèbre 60 ans de prêtrise. Hein, c'est quelque chose... Alors, en pensant à toutes ces fêtes, ce soir, c'est un soir où on marque d'une façon particulière le ministère ordonné dans notre Église, le service de ces hommes qui sont vraiment donnés à la vie de nos communautés, de nos divers mouvements, des diverses institutions. On veut les porter dans notre prière. Tout à l'heure, ils auront l'occasion de renouveler leur engagement au service de l'Église. Alors déjà, c'est dans l'action de grâce que nous nous rassemblons. Alors, nous commençons toujours en demandant au Seigneur de renouveler nos cœurs. We always start by asking the Lord to free us from any obstacles to His love. Levons-nous pour le rite pénitentiel. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, the Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Thank you.
Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique, et tu l'as établi, Christ et Seigneur. Nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. A reading from the book of Isaiah. The servant of the Lord said, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the oppressed, to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and release to the prisoner, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn, to provide for those who mourn in Zion, to give them a garland instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning. You shall be called priests of the Lord, and you shall be named ministers of our God. I will faithfully give them their recompense, and I will make an everlasting covenant with them. Their descendants shall be known among the nations, and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are a people whom the Lord has blessed." The word of the Lord. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle. Fidélité est plus stable que les cieux.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle. Éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude,
Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. En chantant, acclamons la parole de Dieu. » Bon évêque obéit toujours à son vicaire général. Alors, Rodin m'a dit, Monseigneur, il ne veut pas jamais m'appeler Paul André, c'est toujours Monseigneur. Monseigneur, faudrait que vous expliquiez un petit peu dans votre homélie pourquoi les prêtres sont assis avec tout le reste du monde à la messe chrismale, parce que il y a des paroissiens qui m'ont demandé ça. J'ai dit, ah, bonne idée. La réponse est simple, c'est parce qu'il n'y a pas de place dans le sanctuaire pour asseoir les prêtres. De fait, on est mal organisé dans cette cathédrale pour avoir des prêtres assis d'un côté de l'autel, de l'assemblée. On est tout autour de l'autel ici. Hein? Et je dois admettre que moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est plus profond que ça. Moi, je pense que notre façon de nous asseoir à la messe chrismale, prêtres, laïcs, pour écouter la parole de Dieu ensemble, pour prier le Seigneur. À la prière eucharistique, les prêtres se rattendent autour de l'évêque pour faire la prière eucharistique. Que font les prêtres? Ensemble d'une seule voix, au nom de tout le peuple. Et après la communion, on retourne et on sort avec nos paroissiens, nos paroissiennes, les hommes et les femmes que nous sommes appelés à servir. Je trouve qu'il y a un grand sens à ça. Je me suis dit, peut-être ça vaudrait la peine de penser un peu au sens de la façon qu'on est assis ce soir. Vous savez, depuis quelques années, on parle de synodalité dans l'Église. La synodalité, une idée de cette vision d'une Église qui fait route ensemble, où tout le monde, chacun selon ses talents, ses charismes, ses fonctions, ses mandats, collabore à réaliser la mission de l'Église. Et cet été, nous étions le conseil diocésain de pastoral à un lac à l'épaule. On s'est dit qu'il faudrait, pour vraiment développer la synodalité, que dans notre Église diocésaine, on développe la vertu de l'écoute. Et on a choisi ça comme priorité, l'écoute. On a parlé d'écouter l'Esprit Saint, écouter la parole de Dieu, écouter les cris qui nous viennent du monde qui nous entoure et nous écouter les uns les autres, et en particulier
en s'écoutant les uns les autres, s'écouter entre prêtres et laïcs. Que l'écoute entre prêtres et laïcs, elle est fondamentale pour bâtir une église synodale. Ça, c'est pas juste le conseil diocésain pastoral qui dit ça. C'est revenu de tous les coins de l'Église à travers le monde entier où on réfléchissait à la demande du pape François sur comment bâtir la synodalité. This priority that we've given ourselves in our diocesan church to listen to one another, in particular to listen to each other, priests, laymen and women together. This is a call that is echoing throughout the worldwide church. Vous savez, la distance entre les prêtres et les laïcs, ça n'a pas commencé hier, ça. Ça remonte à l'Ancien Testament. Bon, je veux faire quelque chose de bizarre ce soir. Je vais inventer un mot, OK? Pour parler des prêtres de l'Ancien Testament. Parce que, malheureusement, nous autres, on a un mot en français et en anglais, prêtre ou priest, pour traduire deux mots très différents dans la Bible. Le mot hieros et le mot presbyteros. Hieros, c'est pour les prêtres de l'Ancien Testament, puis presbyteros pour les prêtres du Nouveau Testament. Donc, moi, je vais prendre deux mots français. Pour parler des prêtres de l'Ancien Testament, je vais parler des liturges. Et pour parler des prêtres du Nouveau Testament, je vais parler des vieux. Parce que presbyteros, ça veut dire un ancien, un vieillard. Les vieux, OK? Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait les liturges. Les liturges, eux autres, ils faisaient leur fonction au temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils offraient des sacrifices au nom du peuple. Les gens n'avaient pas le droit d'offrir des sacrifices. Ils pouvaient apporter ce qu'ils voulaient offrir en sacrifice, mais il fallait qu'ils le donnent à un liturge. Puis le liturge, lui, pouvait s'approcher du temple. Les gens ordinaires n'avaient pas le droit de s'approcher du temple. Seuls les liturges pouvaient ça. Donc, le liturge était comme un pied dans le monde de Dieu, puis un pied dans le monde réel. Puis il agissait un peu comme intermédiaire entre le peuple et Dieu, le liturge. Les liturges, ce qu'on appelle les prêtres de l'Ancien Testament. Et voici que Isaïe, dans la prophétie qu'on a entendue ce soir, 600 ans avant le temps de Jésus, qu'est-ce qu'Isaïe annonce? Isaïe annonce le rêve de Dieu que un jour, tous les membres du peuple seront des liturges. En autre mot, qu'un jour, tous les membres du peuple pourront s'approcher du temple. Tout le monde du peuple pourra offrir des sacrifices. C'est le rêve de Dieu qui, Isaïe, Dieu fera de vous un peuple de prêtres. Dans le livre de l'Apocalypse ce soir, la deuxième lecture, qu'est-ce qu'on lit à propos de Jésus? Jésus a fait de nous, chrétiens et chrétiennes, a fait de nous un royaume et des liturges. C'est le même mot. Il a fait de nous des liturges, ça veut dire de tous nous autres, tous les baptisés. Jesus, because he is the great high priest, and we are part members of his body, we share in his ministry of great high priest. And in that sense, we are all priests, all the baptized. When I baptize a child, I anoint him with the holy chrism that I'm going to bless in a moment. I anoint him with her with the holy chrism. And I say, you are a member of Christ, priest, prophet, and king. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de jusqu'à quel point ça c'est extraordinaire que nous sommes tous liturges. Quand nous venons à l'église, un des problèmes dans une église traditionnelle, c'est que c'est bâti comme un théâtre. Il y a la place pour l'auditoire, puis il y a la place pour les acteurs.
Puis on est tellement habitué à aller au théâtre qu'on s'assoit, puis on se croise les bras, puis on regarde la pièce qui se déroule devant nous, puis on espère qu'elle va être intéressante, tu sais, puis que le monologue du comédien principal qu'on appelle le prêtre va être intéressant. Puis on se plaint parce que des bouts, c'est toujours la même chose. Hein? Et on a l'attitude de spectateur face à un spectacle qui nous est offert. Bien, au moins la chorale est pas pire. Hein? Au moins la chorale. Et ça va complètement à l'encontre de ce que Jésus a voulu faire. Faire de nous un peuple de liturge. Et quand nous sommes rassemblés comme ceci, nous sommes tous liturges. Nous sommes tous des acteurs et des actrices dans cette liturgie. S'il y a un spectateur à cette messe, savez-vous c'est qui? C'est Dieu le Père. Dieu qui nous regarde. Et nous qui le louons, qui le prions, qui le célébrons, qui nous unissons à son Fils pour nous offrir avec le Fils, Dieu nous regarde et il se réjouit. Il est heureux. Il nous bénit. Nous sommes tous liturges. Écoutez ce que la préface de cette messe, de la messe chrismale, là, la préface que je vais dire dans un instant, écoutez ce que ça dit. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Un. Pourquoi? Un. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, liturge de l'Alliance nouvelle et éternelle. Jésus est le seul liturge dont on a besoin. Et le sacrifice de son être sur la croix, c'est le seul sacrifice dont on a besoin. Mais, partie 2 de la préface. Et tu as voulu que son unique rôle de liturge demeure vivant dans l'Église, et c'est le Christ qui donne à tout le peuple des baptisés la dignité d'être des liturges. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. Que Jésus est l'unique liturge, mais il nous fait entrer dans son action de liturgie. Et nous sommes tous et toutes impliqués là-dedans. Et trois dans la préface. Et en plus, c'est Jésus qui choisit, dans son amour pour ses frères et ses sœurs, ceux qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ancienneté. Ah, le mot ancien. De fait, les anciens, c'était les leaders des communautés. Aujourd'hui, on ne dirait pas anciens, on dirait des leaders. Donc, Jésus a exercé un ministère de leadership. Ministère veut dire un service. Et il l'a exercé comme serviteur. Donc, qu'est-ce que la préface dit? Il choisit quelques-uns pour être au cœur de ce peuple de liturge, des leaders, des chefs. Les animateurs. Et en son nom, ils offrent l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils se dévouent au service de ce peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Et ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts même à donner leur vie, comme le Christ, pour leurs frères et leurs sœurs. C'est ça le don de ces hommes que nous, on appelle des prêtres, mais qui sont, dans le fond, les leaders que Dieu a choisis pour animer son peuple de liturge. Si on pouvait comprendre ça comme il faut, on comprendrait que nous sommes tous engagés dans la même mission. La mission de porter l'amour de Dieu au monde. Parce que de la même façon que les liturges du temple de Jérusalem se tenaient entre le peuple et Dieu,
Nous avons ensemble tous ce rôle-là, de nous tenir entre le monde et Dieu. Pourquoi? Pas pour faire obstacle, mais au contraire pour être un pont. Toute l'Église est appelée à porter l'amour de Dieu au monde et à intercéder pour le monde devant le Seigneur. A priestly people gathered together with some who are leaders in that people, set aside to be animators, leaders, a service to the people. I have to tell you that I was explaining this to someone a few weeks ago, and he looked at me and said, well, that's very nice, but you know, you're still the bishop. You have the fullness of the priesthood. You have the jus imperium. I was told this, honestly. I have the jus imperium, the power of being kind of an emperor in the church. And I responded, well, it's true that as bishop, I've been entrusted with great responsibility and the authority that goes with it, but I need to exercise this not in the way of the emperors and the dictators of this world, but in the manner of Jesus, who came not to be served, but to serve. And this is how all the priests of the church are called to exercise their leadership in the spirit of service and accompany. Et c'est pour ça, finalement, que j'aime beaucoup l'image du pape François. Le prêtre, le pasteur, le leader de nos communautés, il est appelé à être au cœur de la communauté, il est appelé à marcher avec sa communauté, la synodalité, marcher avec. Marcher tantôt à la tête de la communauté, pour ouvrir le chemin, pour montrer le chemin, pour être un exemple. Pour encourager, tu sais, bon, un peu comme un général qui est le premier sur la ligne de bataille. Il ne reste pas en arrière, il avance, figure de proue. Mais aussi au cœur de son peuple, pour l'accompagner, pour le soutenir, pour faire corps avec son peuple. Puis le pape ajoute, et de temps en temps, en arrière du troupeau. Pourquoi en arrière? Ben, d'une façon pour être attentif à ceux qui, parfois, sont laissés pour compte, ceux qu'on oublie. Tu sais, il y a ça. Mais, François a dit, mais aussi parce que des fois, le troupeau a un flair qui lui permet de discerner la direction avancée mieux que le berger. Hein? C'est quelque chose. Donc, de suivre, ça veut dire d'être à l'écoute, de discerner avec. Tout ça pour dire que je crois que notre façon de nous asseoir ensemble à cette messe chrismale, pour moi, ça symbolise la vision d'une Église que nous avons continuellement à rebâtir dans chacune de nos communautés chrétiennes. Une Église synodale qui marche ensemble. Une Église missionnaire qui incarne l'amour de Dieu au cœur de ce monde et pour le monde. Au cœur de la messe, le prêtre dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, et qu'est-ce que nous répondons? Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tous ensemble, peuple de liturge, rassemblés dans l'unique Fils de Jésus, ce que nous faisons, pas seulement à la messe, mais de toute notre vie, c'est pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Amen.
J'invite les prêtres à se lever. Les prêtres, je veux dire les vieux, là, les anciens. Mes très chers frères, en cet anniversaire du jour où le Christ fit participer ses apôtres et chacun d'entre nous à son sacerdoce, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris autrefois? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? And are you resolved to be united more closely with the Lord Jesus and to be conformed to him so as to be faithful stewards of the mysteries of God, following Christ, the head and shepherd? Et enfin, voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assumer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des âmes? J'invite toute l'Assemblée à se lever. Parce que maintenant, mes frères, mes sœurs, vous allez exercer votre ministère de liturge. Je vous invite à prier pour vos prêtres, afin que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et qu'ils vous conduisent à lui, la source du salut. Dear brothers and sisters, as a priestly people, I ask you for a moment of silence. Pray for your priests. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que j'apprenne à refléter parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ, prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous et de toutes. Dear brothers and sisters, please pray for me, your bishop. Que le Seigneur nous garde les uns les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteur et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Présentons d'abord l'huile appelée à servir pour l'onction des malades. L'huile, nous le savons, soulage, adoucit et favorise la guérison. Utilisée pour l'onction des malades,
elle devient signe que le Christ est présent comme le sauveur de toute la personne du malade, que le Christ soutient le malade dans son épreuve. The oil of the sick is used to anoint those who have been touched by disease, accident, or old age, to remind them of Christ's presence and healing power in their trials. As our bishop blesses this oil, let us pray in a special way for all those who have been affected by the coronavirus pandemic. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, toi qui as voulu par ton Fils guérir nos faiblesses et nos maladies, sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction pour chasser toute douleur, toute maladie, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Them to accept the challenge of Christian living and lead them to the joy of new birth in the family of your church through Christ our Lord. Amen. Yeah.
Frères et sœurs bien-aimés, prions notre Dieu de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Tu avais déjà, dans l'ancienne alliance, laissé entrevoir le mystère de l'huile sainte. Et lorsqu'est venue la plénitude des temps, tu lui as donné tout son éclat dans le Christ, que tu as présenté comme ton Fils bien-aimé lors de son baptême dans le Jourdain. Tu révélais ainsi en Jésus de Nazareth le prophète envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, le souverain prêtre qui rachèterait le genre humain de son sang, le pasteur qui les conduirait aux sources de la vie. En effet, lorsque ton Fils Jésus, notre Seigneur, eut sauvé le genre humain dans le mystère de sa Pâque, il remplit ton Église de l'Esprit Saint avec la merveilleuse abondance de ses dons, afin qu'elle puisse achever dans le monde l'œuvre du salut. Depuis, par le mystère du Saint-Crème, tu dispenses les richesses de ta grâce. Ainsi, tes enfants, après être renés dans l'eau du baptême, sont fortifiés par l'onction de l'Esprit et rendus semblables au Christ, ils participent à sa fonction prophétique, liturgique et royale. J'invite les prêtres à étendre les mains vers le Saint-Crème avec moi. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, par la puissance de ta grâce, que ce mélange d'huile et de parfum devienne pour nous le sacrement de ta bénédiction. Répand largement les dons du Saint-Esprit sur nos frères et sœurs, que cette onction va imprégner. Fais resplendir ta sainteté sur les lieux et les objets qui seront marqués de cette huile sainte. Mais surtout, par les sacrements où cette huile sera employée, fais progresser encore ton Église, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette plénitude où toi-même, dans l'éternelle lumière, sera totalement présent à tous les êtres avec le Christ, dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. May the power of this sacrifice, O Lord, we pray, mercifully wipe away what is old in us and increase in us grace of salvation and newness of life through Christ our Lord. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique grand prêtre de l'Alliance éternelle et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur. Il dresse pour tes enfants la table du banquet pascal. Par la charité, il montre la voie à ton peuple saint. Par la parole, il nourrisse. Par les sacrements, il fortifie. As they give up their lives for you and for the salvation of their brothers and sisters, your priests strive to be conformed to the image of Christ himself and to offer you a constant witness of faith and love. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant, au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Dieu tout-puissant, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il remplit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Offrez cela en mémoire.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et vrai. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints, toutes les saintes, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermez ton Église en pèlerinage sur cette terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Paul-André Durocher, ici présent. À noter que d'ici 2 mois, notre évêque aura 70 ans. Trop magané de son âge, si on compare au vicaire général. Bon, on continue. Et prions aussi pour l'ensemble des évêques, en particulier, je veux mentionner notre évêque émérite, Mgr Bachère, pour toutes ses années de service dans notre diocèse. Nous prions ensemble pour tous nos confrères prêtres ici présents, pour se rappeler, comme disait Mgr tantôt, que nous sommes en service et non pas être servis. Nous prions aussi pour tous les diacres et leurs familles. Nous prions aussi, Monseigneur a dit tantôt, dont nous sommes des lictures, vous êtes le peuple de Dieu. Et c'est tous ensemble que nous rendons gloire à Dieu pour cette action de grâce dans cette messe. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ce soir devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, in a special way, we remember Father Nyaminani, Fidel. Give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Par lui, avec lui et à lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'onction de l'Esprit Saint que nous avons reçue le jour de notre baptême nous permet de dire ensemble, avec une grande confiance, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir. Pour la communion, nous vous demandons d'avancer dans la liste centrale du film et des allées le long des fenêtres. Pour retourner, tout le monde retourne par les allées latérales. La même chose en arrière, avancer par l'allée du centre et retourner par les allées latérales. So for communion, please come by the central aisle, come up and return by the side aisles. Thank you.
Seigneur. We beseech you, Almighty God, that those you renew by your sacraments may merit to become the pleasing fragrance of Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Veuillez vous asseoir. Monseigneur l'archevêque remettra maintenant les huiles aux personnes qui ont été déléguées par leur paroisse, leur communauté religieuse ou un centre hospitalier. Nous vous inviterons par zone pastorale à vous approcher pour recevoir les saintes huiles. Delegates will be invited to come forward by pastoral section. Alors, on commence la zone du nord. S'il vous plaît, vous approchez. Alors, c'est l'Assomption de Marie, l'hôpital de Maniwaki, le CHSLD Foyer Père Guinard, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Salette, Sainte-Cécile, Saint-Clément, Sainte-Marie de l'Incarnation, le CHSLD Centre d'accueil de Gracefield, Saint-Nom de Marie, Saint-Louis de France de Baltimore, Saint-Pierre de Wakefield, Saint-Roch, la communauté francophone Sainte-Élisabeth. La zone de l'ouest, la cathédrale Saint-Joseph, la mission portugaise Notre-Dame de Fatima, la mission portugaise du Saint-Esprit, Notre-Dame de l'Eau-Vive, la paroisse syriaque, paroisse Notre-Dame de Lille, Saint-Médard, Saint-Paul, l'hôpital de Hull, le centre d'hébergement Lionel Aymon, c'est-à-dire le foyer du bonheur, le centre d'hébergement La Pietà, le centre hospitalier Pierre Janet, le CHSLD d'Elmeux, le centre naissance, l'établissement de détention de Hull, les servantes de Jésus-Marie, la communauté Notre-Dame des Sœurs de la Charité d'Ottawa, et Monseigneur Ebachère. Oui. La zone du centre, Jean 23, l'ange gardien, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, Saint-Alexandre, Saint-Antoine de Padoue, Saint-François de Sales, Saint-Grégoire de Nazianze, Saint-Luc, Saint-Matthieu, Saint-Richard, Sainte-Rose de Lima, Sainte-Trinité, l'hôpital de Gatineau,
le CHSLD Ernest Brisson au bon séjour, CHSLD Vigie de l'Outaouais, l'hôpital de Papineau et le centre d'accueil de Papineau, le centre d'hébergement Vallée de la Lièvre et les Pères du Saint-Esprit. La zone de l'Est, le cœur très pur de Marie, Notre-Dame de Bon Secours, Notre-Dame de la Consolation, Notre-Dame de la Paix, Notre-Dame du Mont-Carmel, Saint-André-Avelin, Saint-Casimir, Saint-Félix de Valois, Saint-Jean l'Évangéliste, Saint-Sixte, Saint-Angélique, Sainte-Valérie, et le centre d'hébergement Petite Nation. The English-speaking pastoral section, Holy Cross Mission, Our Lady of the Annunciation, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of the Holy Rosary, Our Lady of Sorrows, Our Lady of Victory, Saint Aloysius Gonzaga, Saint Camillus, Saint Columban, Saint Elizabeth, Saint Malachi, Saint Mark the Evangelist, Saint Martin, Saint Patrick, and Saint Stephen.
Alors, tout de suite après la fin de notre célébration, vous êtes tous et toutes conviés au sous-sol de la cathédrale où nous ferons communauté. Des biscuits seront disponibles et vous pourrez vous servir le café. On accède à la grande salle du sous-sol par l'escalier intérieur à droite, près de l'entrée principale de l'église. Un monte-personne est disponible du côté gauche. You are cordially invited in the basement immediately after the Eucharist to continue our diocesan gathering. Cookies and coffee will be available. Please use the stairs located inside the church on the right side of the main entrance. An elevator for mobility-challenged people is available on the left side. Juste une petite annonce, avant, ben deux petites annonces. Je vous invite, si vous avez la chance, vraiment à descendre, parce que ce soir, la paroisse Saint-Joseph étrenne, la cathédrale étrenne sa salle paroissiale renouvelée. Alors, tonight, please, if you can make an effort to go down for a few minutes, because the cathedral parish here has invested a lot in renovating all its the parish hall. It is absolutely beautiful. So you have to go down and see this. Yes. Yes. Et cette année, c'est une année jubilaire à Québec pour marquer le 350e anniversaire de la fondation du diocèse de Québec, qui à l'époque couvrait toute la Nouvelle-France. Ça veut dire pratiquement toute l'Amérique du Nord, sauf les quelques colonies anglaises qu'il y avait au sud, là. Tout le reste, alors 350 ans, et il y a un pèlerinage à la Porte Sainte de la cathédrale de Québec. On espère organiser un pèlerinage pour le diocèse. La date n'est pas fixée, mais gardez les oreilles ouvertes, OK? Mais n'importe qui peut y aller n'importe quand. T'sais? Donc, si vous passez à Québec, aller à la cathédrale de Québec, passer la Porte Sainte. So all I'm saying is that this year is a holy year in Quebec, marking the 350th anniversary of the foundation of the diocese. So if you go to Quebec, do go to the cathedral, pass by the Holy Door, but we're going to try to organize a diocesan pilgrimage also. As soon as we have more news, we'll make it known to let you participer if you can. Ça va? Voilà. Alors, on se lève pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer garde vos cœurs et vos esprits dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and minds in Christ Jesus our Lord. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Un grand merci à tout le monde qui a contribué à rendre cette célébration si belle, si priante et si efficace. Tout le monde, grand nombre de personnes, applaudissons-les tous. Amen.